Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous avec vous. En fait, nous pouvons vous information qui est très importante. En fait, ou même qui gagne mon nom aux États-Unis, ou même qui des informations qui concernent les changements qui viennent, surtout dans les COB ou de payer pour plusieurs types d'applications bagailles ou changer. Pas oublier que l'administration Donald Trump, l'ancienne administration qui a fait tout ça qu'on est pour capable de mettre bâton dans les roues, tout immigrant va voir ici. Il y a une pile décision que le prend déjà. À chaque fois, c'est juge qui bloqué. On a changé public charge. Juge bloqué. Dernièrement, le 14 octobre, il était venu avec un bagage pour que qu'on y a pour entrer le monde. Faut gain et affaire médicale. Juge bloqué. Eh bien, monsieur dit le pape by vague. Et depuis le moyen pour le mettre et problème, il dit que la plus difficile. Donc, la fait. Fait, n'a pas parlé de où d'ensemble de propositions que vous gagnez. Que vous proposez là. En fait, d'abord, qui ça dit? Il concerne vous-même qui t'avez devenu US citizen. En fait, ils ont un ensemble de bagages qui pour vous ou bien pour attendre. Il concerne vous-même tout qui va demander asile. En fait, c'est un pile type de monde qui le concerne. En fait, on dit que l'administration Tremplin, vendredi qui s'est passé là, vendredi qui était 8 novembre, en fait, ils ont proposé un pile, ça n'est pas un pile comme. Il dit, côté que tout FIO, ils ont pral augmenter. Pas oublier que c'est une proposition, il va le publier dans le Federal Register et qu'il a pris le temps pour commenter avant pour l'appliquer. Et ça n'est capable de dire sur ça. Même avec l'autre bail, il va attaquer la justice tout. Mais bien que l'alca est difficile parce que il va au droit pour changer Cobla. Pas oublier que Cobla l'appelait à Eval. En fait, on dit par exemple, Cobla, on est les filles pour l'administration, c'est vrai, lit variable avec le temps pour tout. Bah, qui a fonctionné. Mais ça, ce fait là, vous avez oublié, c'est qu'il exagère. Nous pas le temps. Ok? Et d'ailleurs, gontant aussi, c'est chaque 4 ans, on va faire, si c'est chaque 3 ans, on réévalue. Mais gon logique, tout n'a augmenté. Pour augmenter, on bagaille presque 60% d'augmentation, ça n'a pas qu'au jambes fait, non, mes amis. Ok? Donc, premièrement, c'est pour la première fois, monsieur Pral chargé moun kap de pour protection aux États-Unis. Ça n'a pas asile. Asile, tout ça, en fait, moi, expliquer tête, c'est des séries de monde défavorisé. Le concept d'asile veut dire que ça, c'est un monde qui persécute, qui a des problèmes. C'est ça, lié. Non, en fait, il y a à peu près 3 pays quelconque dans le monde là qui fait monde payer pour asile. Donc, monsieur voulait entrer là-dedans pour aller faire monde payer pour asile. On va être vraiment écœurant. Mais d'abord, on va aller. Et, il y a parlé de, bien que nous bien douces, il y a parlé publié dans le Federal Register. Il y a bien un mois pour commenter, ensuite pour entrer dans l'application. Donc, ça qui est exagéré dans le bagage, c'est 60%. Ça veut dire que j'aime faire 60% d'augmentation lorsque on monde a cherché une US citizen. Il était $725. Monsieur proposé, en fait, pour aller passer à près de 100, à près de $1170. Mes amis, comprennent bien ça, Nabdou. $725, bon, bon monde, babo ici. Qui t'a vle US citizen, yo pa ka jwenn kobla. C'est sa réalité pays ya. En fait, en plus bon, pile moun dans l'autre pays, yo tout pense que pa bon ici. Nous nan paradis, mais gon bon moun mande pou jwenn $725. Son tête chargé li, oui. Bon, pour vous essayer de monter même mission impossible. C'est bon réalité pour en pile moun pa bon ici, yo vive péchek sous péchek. Donc, monsieur, li passe 60%, avait dit qu'on est là. Si vous mon ou l'on va besoin pour US citizen, vous avez besoin de 1170 $. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez dit, a dit, vous avez un pays pour vous payer kayou, le kayou nan 1000 combien de dollars, $900. Combien de en moyenne, vous avez touché? Ok? Donc, il faut comprendre la logique, ça fait monsieur a fait travailler ça là. Oui? Parce que, comprenez bien, lorsque vous avez un US citizen, il bon pouvoir pour voter. Pour dire qui est-ce qui a dirigé. Et c'est plus gros problème, fanatique mission gain, moun kap vini yo citizen yo. Donc, vous pensez que, à un certain moment de la durée, yo pa pou pouvoir encore. Là, pour la communauté Amérique latine, latino, yo, tout le monde, yo pensez que, mais, yo gen doit pa pou pouvoir encore. Donc, c'est rendu beaucoup plus difficile. Maintenant, ça qui dit nan pose ça. Non seulement monsieur mette la 1070, mais pas oublier que, te kon gen question fi ou vert, pour yo citizen, monsieur dit le bras retirer. C'est de comprendre ça qu'a fait là. Vous avez nous bien. Ça veut dire non seulement on a augmenté, qu'on y a au moins besoin de $1170 pour leur besoin US citizen. Et
La loi, bon, m'ap mande la, si ou pa ka poursuivi. La loi, en matière de politique, gen yon ensemble de formes, bien que ce n'est pas tout, en majorité de formes, yo permet que ou rempli yon forme qui relè yon fi waiver. Fi waiver la ki salye, se yon forme kote ki yon montre ke un common pa ase, et puis yo permet ou fouli gratis. Monsieur dit la, retire fi waiver la pou US citizen. Donc, on comprend logique la. Ok? Et là encore, nous rappelons que ça y a à peu près 2 semaines, monsieur Tevin fi waiver la, gon condition ou te kon di, depi ou moun nou sou food stamp ou automatiquement qualifié, li di non pa gen baye kon sa. Fait pour on présenter soit ou sou food stamp ou bien sou Medicaid pour automatiquement qualifié, pa gen baye kon sa. Faut al baye tout transcrit nou nan IRS. OK? Donc, ou ka comprendre kote nou ka ale. Maintenant, nan histoire ça, tout pa oublier que monsieur mete yon moun ki rele Kousineli. Et c'est lui-même actuellement qui à la tête du USCIS. Kousineli. Maintenant, nèg sa, problème que le gain, c'est que même républicain au niveau du Sénat, il dit pas voter, monsieur son acting ni. Donc Trump, on va que lui-même lui servi avec acting. Bon, pi moun, pi fò moun ni gain avec lui, c'est acting. Ça, nous comment ça veut dire acting? Ça veut dire c'est un monde qui pas légal dans pour ça, il pas nommé, il pas voté. Donc monsieur sent-il plus à l'aise avec acting, puisque moun nan konnen pas un bon job li gain. Il n'est pas passé dans le Sénat, donc, moun sa, depuis on dit là à droite, il fait à droite, à gauche, il fait à gauche. Donc, et République, on a déjà dit, on va voter pour signer lui parce que monsieur son hardliner, li, on est qui extrême droite. Il dit, monsieur, si vous voyez que ça dans le Sénat, pas même carbon, mais de facto, c'est monsieur qui a géré le poste là. De facto, monsieur a géré. Et on va voir que monsieur a poussé des politiques draconiennes. Donc, nouvelle, la première, ça vous connaît, et bien, on même là, après 5 ans, nous connaissons que les gens résident après 5 ans dans le cas de la citizen. C'est après 3 ans dans le cas de la citizen. Donc, comme la fortune, 1 170 $ pour les gens la joindre. Donc, ce façon pour dire là, même pas le fond, là, pour ne pas citizen. Ça a découragé un peu de monde. Il y a des essais de monde, même le terrain comme la quête. C'est un véritable découragement lié. Ok? Donc, voilà. Et, c'est pas ça seulement tout. Je ne dis là, monsieur dit lui-même, il va le charger asile. Pas oublier que asile, mot à expliquer tête, ils sont non-sens. Asylum, lui vient dire qui ça? C'est soit l'asile ou bien le pas asile. C'est ça pour me comprendre. Asile, c'est soit mon nom, soit asile ou bien pas. Mais le concept en soi, ou pas qu'à charger mon nom à la vérité, c'est quelqu'un qui cherche refuge. C'est quelqu'un généralement qui menace avec le parfum trop bon. Ok? Donc, monsieur Balman de $50. Américain pour charger asile là et on te dit on t'a fait mettre $50 s'il était capable même il t'a mis $1,000 tout c'est pour asile là bon ça pas trop exagéré et même gens tout nous connaît asile là quatre travail les premiers quatre travail là ou pas gain pour pas gain pour payer monsieur vraiment déconné là pour bailler $490 pour premier quatre travail asile. OK, nous connaît que asile là l'offre fait lui après 150 jours ou ka fil ou ka travay ou, ki fri, ko pa gen pou paye. Monsieur dit, ou pral gen pou paye pou premier 4 travay ou, 490. Alors que nous connaît asile, le ou paye, c'est peut-être le ou bon, premier 4 travay li pral renouvelé, ou bien si 4 travay ou a ta perdi, ça c'est faute pa ou besoin pour le fond l'autre. Alors là, ou a gen pou paye, ou te gen pou paye $410. Mais monsieur là, a mande ou $490 pour moun ki sou asile ou ka jeune 4 travay. Ok? Donc voilà, ça veut dire que les États-Unis viennent parmi youn dans tout le monde là, youn parmi en fait, il y a 3 pays seulement, mais il y a un 4e pays qui charge monde pour bailler asile. Dans tout le monde là, 4 pays, monsieur vient 4e là. Parce que lui non, vous comprenez bien, lors du monde a demandé asile, il vraiment un non-sens pour demander le cob. OK? Maintenant monsieur dans même logique ça a tout. Parce que y a un bon bagage qui ne peut pas payer, même j'en doute asile, premier asile ou pas de vous payer. Même j'en tout Dakar, tout ça, nous les Deferred Action for Childhood Arrival programme que Obama te mette sous pied, qui actuellement là a gon bataille pété pour lui au niveau du Supreme Court. OK? Eh bien, monsieur pral mande $765. OK? $765 pral mande pour Dakar. Et là, a renouvelé li, ou a gagné. En fait, pas oublier que l'ité 495, donc il va demander 765 pour Dakar, pour le monde qui va renouveler Dakar. Mais nous voulons que
augmentation sous Dakar ça l'ivini justement quelques jours nous connaît que Supreme Court la pral parler là pour schedule pral gen schedule au niveau de Supreme Court pour yo vin discuter de validité Jean ont été terminé Dakar sous façon que déterminé li pral discuter au niveau de Supreme Court. Maintenant, ça vous comprendre dans l'histoire ça, yon l'autre fois encore administration Donald Trump là a utilisé toutes les armes qu'il gagne, toutes en fait toutes outils qu'il gagne en main pour capable mettre vous comprendre et mettre problème ba nous ba immigrant au problème. Cette histoire de immigrant ça, il y a vinn gagne papier. Vous vinn citizen dans tout ça qui possible que nous gagne outils pour nous rendre la plus difficile pour aussi ça n'a fait. C'est dans sens ça. Pas oublier que et négocier commence à faire bagaille en suspens ou et ba la commence à faire parler en pile moi ils font descend ni tant pour mon citizen yo que vinn long so, généralement ça va qu'on dans 6 mois mais ces derniers jours tu connait tant commence à vinn long parce que c'est généralement 6 mois OK et yo te relé au derrière pour ça mais fond de tout et ça vous comprendre dans cause US citizen nan, mais j'en dis logique là c'est que et les pour graduer en date de fin ou passer test ou bon et pas qu'on seul grand monde n'a pas pour graduer OK ça veut dire c'est si on a équipe bon bonne crétin nous comment ça veut dire avec chaque monde qui a le potentiel pas bon on gagne droit reprendre plus temps vraiment vrai mais on t'a dit jour t'es venu t'es grand temps on t'a dit pas connait qui va aller reprendre et 50 minutes t'as besoin pour le graduer pour faire paraître là t'es grand temps gagne 49 monde qui bon gagne possibilité dans demain si Dieu veut même voir et venir graduer comment ça n'a pas dire parce que c'est sélectionné après sélectionné plus casque au bon promotion c'est chaque grand monde. Ça veut dire que dépendamment de qui le aller on doit avoir que temps pour aller prêter serment li ka plus long et plus court. Nous comprenons logique ça nous dit puisque c'est ensemble de monde chaque monde bon il prend jusqu'à ce que arrive en quantité il dit bon nous avons quantité suffisamment là nous pour faire graduation. C'est ça qui a expliqué que yo monde dans l'interview interview jeudi et puis 3 jours après il dit venir dans graduation. Pourtant on l'autre monde doit venir dans cette interview jeudi et pourtant il prend 4 mois 3 mois avant pour dire dans graduation parce que peut-être que c'est lui même qui était premier et qui t'a tant ensemble de l'autre monde pour former promotion qui pourra le graduer ça sent logique mais en tout cas ça semble doux pour causer US citizen là c'est que il a constaté tant a diminué tant généralement qu'on prend il était venu démesuré pour certains côtés bien entendu il est venu vraiment très 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 long il a commencé à faire et appel à la justice sous causer ça parce que processing time pour US citizen pas jamais été long non causer ça mais en tout cas j'en doute là une autre fois encore tout côté administration plan passé l'LDF on bagaille il a bloqué ça pas découragé toujours il décide de faire tout ça capable depuis son petit difficulté le camété mais pas nous qui est ce qui sur là nous voulons pas c'est Kenneth Cousineau lui c'est lui qui a frappé là c'est monsieur qui a frappé là et nous bien tout comment on est comme ça même républicain ou pas monsieur nous ca comment ça veut dire parce que républicain considéré monsieur comme un hardliner ça veut dire son équipe de l'extrême droite vous comprenez donc si vous êtes républicain ou vous ne pas voter monsieur dans le Sénat vous ne pas prendre chance vous tout pas prendre chance vous êtes l'équipe monsieur comme acting qui sont loupole dans le système là vraiment vous ou pas que mon nègre dans poste acting en pile mon a plein de ça il y a trop acting dans l'administration il y a besoin de monde qui pour dans poste là alors bon par exemple et secrétaire d'État à la défense. On va important comme ça, pas qu'un acting. Faut un monde sûr qui passe au niveau du Sénat qui au modèle qui connaît que son job stable que le gain, c'est pas un job président Bali. Pas bien que le président choisit ou gain pour voter ou les votes qu'on gain ou gain compte pour rendre avec le Sénat. Mais on a dit on est acting ou bon, comprendre ça le président qui tourne en attendant. OK? Donc voilà et donc on veut dire que Cousinoli c'est lui-même qui a frappé là. Et qu'a essayé durcir ce système là fait beaucoup plus difficile que possible tout moyen qu'on gagne pour ensemble des immigrants cap vini pas bon ici donc ça a bien fait la connait là il a utilisé FIA pour mettre ça dans relé un fardeau financier sous immigrants donc mes amis on peut comprendre 1100 combien dollars vraiment de monde pour l'US citizen connait là bon. Et monsieur explique tout, il veut comprendre que bon, il y a un budget, il y a un déficit, il y a des choses, son business, yo, donc même son business soit réévalué, c'est ça le dit là. Ok? Donc, même son business dit faut réévaluer, il y a des dépenses, c'est des choses. Mais tout le monde, c'est eux-mêmes simplement, toute administration n'a pas besoin comme.
ça deux choses. Donc une autre fois encore, nous pas connaître est-ce que on va arriver bloqué ou dans tentative ça, bien que l'ICA un peu difficile, mais l'ICA argumentation logique pour monter un bagage, ça pourquoi j'en fait 63% pour monter citizenship. On comprend donc c'est une autre bataille encore que on va faire, mais ça vous comprendre tout dans poser ça, c'est que effectivement USCIS bon déficit là. Gen que parler comme yo pas gain. Peut-être que ça c'est parce que Donald Trump c'est dans budget. Attendez bien, dans budget au débat dans département de sécurité, monsieur était pour bon parler comme pour le tal. En fait des comme qui était au niveau des USCIS, niveau et au bail département Immigration and Customs Enforcement, IC. Nous connaissons l'agence qui est responsable de déportation et l'agence qui est responsable pour kembe dans prison migrant. Donc, il était retiré n'importe 207 millions de dollars. Donc, effectivement, on va comprendre bien, il a fait face à la difficulté parce que le président a un pile cop qui était pour eux dans le budget, le prend au niveau de sous cause de déportation. Parce que c'est ça qui s'intéresse. Mais en ce sens, qu'on est là, il y a une carence, il y a un vide. Ça veut dire que ça, on vient commencer à toucher. Donc, il va chercher qui vient de rentrer comme. Donc, en ce sens, la façon dont il va rentrer comme, c'est ça que vous devez faire là. Donc, c'est ça, vous comprendre. Là, il dit qu'il y a un bon autre facteur encore. Qui vient faire que, mais si c'est pour ça, puis il y a un bagage occasionnel, mais pas permanent. Si tu as pour question Donald Trump qui retire 207 millions de dollars, donc on te dit de manière occasionnelle, mais ça n'a pas fait, mais monter un fardeau comme ça sous des immigrants, on est là, qui est qui va les gens qui va choisir US citizen, on est là, l'homme est 1100 combien de dollars. Hein? Ça veut dire que, monsieur, tu es tout comme ça, on a ICO, parce que living by ICO, plus travail, par exemple, actuellement, là, il y a fait test DNA. Ils ont pas prévu dans le budget. Il y a fait test DNA pour les migrants qui ont traversé. OK? Donc, l'administration, j'en doute, là, il y a travail dû pour mettre plus de barrières. OK? C'est dû à travail, là. Et l'autre fois encore, il y a un bagage noué, il y a un bagage ça, c'est pire comme ça. Il y a mis sous US citizen parce que nous avons mettre des autres à voter, nous pas voter pour nous même migrants, donc il y a pas rien pour bloquer nous. OK, donc voilà, donc pas oublier que nous même pas boy site là, nous c'est justement référence en matière de toute dernière information qui sortit au niveau de l'immigration USCIS, et l'important justement pour toujours rester connecté avec nous, il faut peser justement bouton subscribe là et on va peser cloche là tout pour capable toute dernière information que nous commenter au cours de journée. C'était un plaisir pour nous avec nous. Portez-nous tout bien.